Rome, la ville éternelle, est plongée dans l'obscurité pendant 24 heures dans Tenebra Roma de l'auteur italien Donato Carissi. Une tempête météo et des problèmes électriques vont forcer les autorités romaines à plonger la ville de Rome dans l'obscurité la plus complète pendant 24 heures. Ce sera l'occasion pour les gens mal intentionnés de sévir. Et il y a un meurtrier en série qui va commencer donc à accumuler les cadavres. Deux enquêteurs seront à ses trousses, Marcus, un enquêteur clandestin, un profileur du Vatican, et également Sandra Vega, une photographe judiciaire. Ce sera une course contre la montre pour arrêter cette série de meurtres. Derrière ces crimes, une secte, l'Armée des Ombres, ce sont des religieux, en tout cas, ils ont un lien avec le Vatican et on va devoir découvrir ce qui se passe. Donato Carissi travaille énormément sur la peur du noir, sur toute l'idée de l'obscurité, sur ces peurs ataviques qui sont encore au fond de nous. J'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai lu en deux temps, trois mouvements.